Jean-Paul Guilotta, je suis luthier, je fabrique 7 modèles de vielles différents, dont cette vielle ténor électroacoustique. Les micros sont développés par Hervé Prudent qui les fabrique et les installe. C'est une vielle 4 chanterelles avec relevage de cordes, réglage micromillimétrique des bourdons et 3 chiens. Une touche pour les basses et un capodos qui se déplace pour la rythmique. Donc la première corde. Donc vous pouvez gérer la puissance ici. Et on peut aussi basculer sur le bas là. Mettre plus ou moins de graves, comme les graves sont à côté. On peut ou couper ou mettre cette source qui va prendre un peu des graves ici. Donc c'est une corde en sol. Après une autre en do. Do plus un bourdon, en do, naturellement. Vous pouvez gérer le bourdon à la puissance que vous voulez. On peut mettre un bourdon en sol. Une chanterelle en ré. Une deuxième chanterelle en ré, un octave en dessous. Un bourdon en ré. On peut aussi jouer en tapping. Il suffit de déplacer la corde de ce micro à celui-ci, d'ouvrir le canal des tappings. On peut régler ici pour l'accorder à l'autre, comme on veut. Du tapis uniquement en relevant ici. Oui, ça va très vite. Bon, en ce qui concerne les chiens, donc cette vielle possède 3 chiens. Donc un chien avec bruit de corde, donc un micro piezo ici. Thank you.
avec micro magnétique, sans bruit de corde. Ce qui permet de mettre des effets dessus. J'ai un chien là ici. Alors lui, il a un autre système encore, c'est un petit micro. Vous voyez, qui est ici. Les sympathiques sont elles aussi amplifiées. Donc ce qui permet de faire des rythmiques ici, ici.